Donc, le marchand de concours avec une équipe de type bête. Et donc, il y a une mascotte qui s'appelle Anti-Magie, c'est pas pour rien, vous allez voir tout de suite pourquoi. Qui est un griffe-brasier infernal. Ça sent le roussi pour lui. Roussi. Roussi, roussi si c'est. Non. Ben moi je saisis. Heureusement que j'arrive à rire à mes propres blagues, hein, parce que déjà que j'ai pas de public. Je le prends de manière complètement frontale, hein. Souffrance. Et après je switch parce que je le respecte pas. Là il ne faut pas qu'il mette une voilà parfait. Il a fait le regard assassin, mais pas sur la bonne mascotte. Là, on le regarde mourir, hein, littéralement. Hop. Oh, il est pas mort. Bon, ben... allez, tue-moi le mort-tu-vie, je suis chaud. Bon, ok, peu tant pis. Tour 16, avec deux switch, bon, ça va, c'était rapide. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, le griffe brasier infernal est un excellent anti-magie. Bah, double bon, que je vais donner. Parce qu'il m'avait défoncé avec cette combo griffe noire, terre brûlée, souffle de flamme, la gueule. La mascotte que sauvage que l'on trouve ici, là, vers là. Là où il y a les dryades du cauchemar, là. Et c'est absolument fabuleux, les dégâts qui se prend avec griffe noire en bonus. Puis si c'est un sac à PV, vous faites partie de chasse et c'est plié, mais là bah, jamais il aurait pu tenir, il n'avait pas une barre de vie trop assez grosse. Il fallait qu'il ait une barre de vie XXXL pour en avoir besoin. La carapace blindée est vraiment énorme parce qu'elle permet aussi de survivre pour qu'elle ait un terre brûlé qui fait peut-être 386 dégâts de base, mais qui bah déjà pose une météo qui est absolument géniale, contre les magiques, et qui fait très mal de base contre les mascottes de type magique. Souffle de flamme aussi pose un dot, et ça c'est vraiment intéressant, surtout à griffe noire. Voilà, vous savez tout, alors bien sûr, si vous jouez les ralentissements, les stuns, tout ça, vous pouvez le vaincre, moi j'ai décidé d'aller vite. Et voilà.